Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes. Mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrantes Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrantes Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir à toutes et bienvenue dans l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Mon nom est Christella et aujourd'hui je reçois une femme exceptionnelle qui va nous partager son parcours d'intégration. Donc avant tout, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bonsoir mon invitée. Bonsoir. Donc, je vais juste te laisser dire ton nom et ton prénom et ensuite on va rentrer dans le vif de l'émission. OK. Donc, moi, c'est Dominique Abana. Puis, je m'arrête là. OK. Alors, merci Dominique. Je suis vraiment très contente de t'accueillir ce soir. Et on va commencer l'émission. Donc, comme tu sais, la première partie, je fais défiler des images. Et à chaque image, tu nous dis ce que ça évoque chez toi, ce que ça représente pour toi. Au fait, tu nous dis ce qui te vient à l'esprit. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première image. OK. Le beau drapeau du Cameroun, mon pays d'origine. OK. Donc, tu es camerounaise. Mm-hmm. OK. Et là, la cartographie, en tout cas, si je peux dire, du Cameroun, avec les deux villes. Bon, je suis originaire de tribu d'une ville qui est Yaoundé, mais j'ai grandi dans la ville de Douala qu'on voit représentée. Et en fait, ma mère est originaire de l'autre ville qui est représentée, qui est Bafoussam. Donc, tu as vraiment représenté mes trois points d'origine. Waouh! Donc, c'était un bon choix, alors. Je ne sais pas si c'était fait à propos, là, mais c'est, en tout cas, je viens vraiment de ces trois points. Ah, OK. Non, on ne savait pas. Bon, ben, on va passer à la deuxième image. Mm-hmm. C'est moi. Oui. J'ai vécu à Montréal. OK. Mm-hmm. Et quand tu vois l'image, c'était en quelle année ça? En 2015. Wow. OK. Mm-hmm. Ah. Non, je viens très, très bien. D'accord. On va passer à la troisième image. Ah. Ben, ça, c'est une passion. On va dire wow. Que c'est une passion personnelle. J'aime aussi écrire. J'aime beaucoup, beaucoup écrire. J'ai commencé à écrire, je pense que j'avais l'âge de 13 ans. Wow! Donc, et tant qu'à écrire, en fait, j'écrivais plus pour moi. C'était vraiment pour mon plaisir. Mais comme il semblerait qu'il y ait des gens qui ont commencé à apprécier mes écrits, oui, j'ai décidé de les partager juste pour faire plaisir aux autres aussi. Wow! Et juste comme ça, tu en as écrit combien de... Tu as écrit combien de livres? Voilà. Ça serait trop dit des livres parce qu'honnêtement, ces deux-là, par exemple, ils ont quoi? Peut-être une vingtaine de pages chaque. Donc, je ne les appellerai pas des livres, je les appelle des nouvelles. D'accord. Mais je crois que j'en ai écrit peut-être 6. OK. D'accord. Wow. Plus un blog personnel où j'écris, mais le blog, c'est beaucoup plus des articles qui sont courts. Mais je l'appelle mon blog d'histoire de vie inspirante.
Wow. Ah, mais c'est beau parce que nous sommes justement en train on va découvrir un parcours d'intégration inspirant. Donc, on ne s'est pas parlé du tout, mais on a utilisé les mêmes termes. Donc, c'est bon. On va passer à la cinquième image. OK. Ça, c'est un projet, je l'appelle mon projet de cœur. En tout cas, ça, c'est des clients, ça, c'est une affiche d'un de mes projets de cœur que j'imagine que tu voudrais que j'en parle plus tard. Oui. Mais c'est OK, c'est ça. Mais en tout cas, c'est l'affiche d'un projet que j'ai vraiment à cœur pour les jeunes de la rue, particulièrement les jeunes qui viennent de la DPJ, donc qui D'accord. ont été dans les centres jeunesse. OK. Wow. Ben, en tout cas, on est arrivé à la fin des images. Donc, c'est comme un petit jeu brise-glace pour commencer l'émission en force, on va dire. Et puis, on va passer à la première partie de l'émission qui s'appelle le Zoom personnalité. Justement pour te découvrir un peu plus. Et la première question, c'est Dominique, c'est quoi ta passion dans la vie? Mon Dieu, cette question. Aujourd'hui, je peux répondre. Comment je peux répondre avec plus d'assurance et avec plus de précision parce que ça a été longtemps un questionnement parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans beaucoup de places, mais c'était justement parce que j'étais à la recherche de cette chose qui allait m'animer. Ben, de façon générale, je dirais que ma passion, c'est de vraiment voir la vie des gens être transformée. C'est de voir une personne, ce qui peut-être personne ne misait, personne ne lui donnait des chances. De voir cette personne s'épanouir et puis de vraiment trouver sa voie, trouver son potentiel et savoir que j'ai contribué un tout petit peu dans ce processus-là. Moi, c'est comme, il n'y a pas de plus grande joie pour moi. D'accord. Donc là, d'où le lien avec les enfants les jeunes de la DPJ de ton projet de tantôt là. Mais tu peux justement nous en parler, faire le lien avec ce projet. Avec ce projet. Donc, justement, ben, ça n'a pas vraiment commencé avec les jeunes de la DPJ. Ça a plus commencé avec. Je travaillais dans un organisme communautaire et j'ai eu envie de. Ce moment, comme je dis, j'ai toujours été à la recherche de cette chose qui m'animait. Mais j'ai commencé comme à ressentir une sorte de désintéressement par rapport à mon travail. Et je me suis souvenu que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14 ans, je voulais vraiment travailler avec les enfants réfugiés. Donc, je me suis dit que peut-être c'est ça mon objectif. Pour atteindre ce but, je me suis renseignée, tu sais, je suis allée sur Internet pour savoir qu'est-ce que ça prend, parce que j'avais un objectif spécifique, c'était de travailler pour le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Et je me suis renseignée de c'était quoi le processus d'embauche, et j'ai vu qu'ils demandaient, en fait, un des critères, c'était de faire un stage à l'international. Donc, j'ai cherché un organisme qui recrutait des bénévoles pour faire des stages à l'international. J'ai trouvé un qui s'appelle, parce qu'il existe toujours, Alternative. Et avec Alternative, j'ai fait un stage au Mali. On va dire que c'est vraiment là que cette passion a commencé à se préciser un petit peu plus. Parce qu'au Mali, bien que le projet dans lequel on allait faire le stage était, je ne veux pas dire que ce n'était pas pertinent, mais en tout cas, c'était un projet d'agriculture urbaine. Et c'est vrai qu'on se posait la question que, OK, nous, des Québécois qui vivons dans des centres urbains avec tout le ciment, on va prendre l'avion, aller au Mali, apprendre aux gens qui vivent dans des milieux ruraux l'agriculture. C'était un peu. C'est peut-être pour ça que chaque personne qui était là cherchait autre chose, cherchait un autre projet, quelque chose d'autre dans lequel s'impliquer. Juste pour dire que. Mais en quittant, ils ont quand même fait quelque chose de pertinent. Et moi, je ne cherchais pas nécessairement particulièrement parce que je me suis dit que tant qu'à être là, autant mieux faire le projet pour lequel nous sommes venus. Mais je suis vraiment tombée sur les enfants de la rue. Les enfants qu'on appelle les talibés. Et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est comme si c'est une situation qui ne choquait personne. C'était normal de voir un enfant de 4 ans parce que ce sont des enfants qui sont très jeunes. Très jeune, 4 ans, oui. 5 ans, dans la rue en train de mendier. Et même à la limite, les gens sont agressifs envers eux. Et puis, je m'étais fait une amie, je me posais la question, mais ça ne vous dérange pas, ça ne vous choque pas. C'est pas que ça n'interpelle personne qui me disait que c'est même pas qu'ils ne sont pas choqués. Mais à un moment donné, tu t'habitues et c'est ça un peu le propre de l'être humain. On s'habitue.
C'est vrai. vrai. On est tellement habitué à les voir, et surtout, on ne peut, bon, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, donc ça fait partie du paysage et on l'accepte. C'est ça, Donc, c'est comme. exactement. Et c'est vraiment là que j'ai eu comme. Je vais dire, c'est une mission de cœur, ce n'était pas OK. rationnel. Je me suis dit non. Si je vais dire, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer. Donc, je suis Wow. revenue, j'étais vraiment revenue avec une mission. Parce que je suis revenue à Montréal et dans ma tête, c'était vraiment, je vends toutes mes possessions, tout ce que j'ai et je retourne au Wow. Mali. Ah là là, c'était. OK. Je vais vous faire une anecdote parce que mon frère, pour mon frère, j'étais devenue folle. Il était convaincu, mais convaincu, qu'en fait, j'avais rencontré un homme, je suis tombée amoureuse et puis que c'était juste. Oui, c'était la seule explication logique. OK. C'était la seule explication logique, bon, bref, comme je dis, il y a des gens qui ne comprennent pas la passion. Mais, en tout cas, d'arriver ici, j'ai réalisé que si je voulais vraiment avoir de l'impact, il Ouais. fallait que j'aie une démarche plus structurée. OK. Donc, agir sur le coup des émotions, ça n'allait pas, ben, ça n'allait pas me mener loin. Donc, il fallait que je crée un organisme et que Wow. justement, je commence à faire des activités de sensibilisation pour OK. recueillir même des fonds pour ces jeunes. Wow. OK. Ben, comment on en arrive aux jeunes de la DPJ? C'est que dans tout ce processus, c'était justement quand plus j'apprenais sur le phénomène des enfants de la rue, j'ai Oui. réalisé que oui, je veux aider ceux du Mali. Mais c'est une problématique à laquelle on est confronté ici à Montréal aussi. Ah Et que, oui. bizarrement, on ne parle pas tellement d'eux parce que, contrairement aux sans-abri qui sont un peu plus âgés, on ne voit pas beaucoup les jeunes dans la rue. Bon, Mais il y en on les a. voit, mais il y en a. Et il y en Oui. a beaucoup. Et justement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que la majorité de ces jeunes, ce sont justement des jeunes qui viennent des centres PG. Donc, ce sont OK. des jeunes qui, à 18 ans, ben, quand tu as 18 ans, le gouvernement n'est plus responsable de toi. On te dit, ben, tu es majeur, va te débrouiller. OK. Mais c'est que généralement, on les laisse dans la rue, mais ils n'ont vraiment pas eu. On n'a pas pris, ou ils n'ont pas pris le temps, mais on n'a pas pris, sans accuser quelqu'un en particulier, mais on n'a pas pris le temps vraiment de bâtir en eux cette maturité pour qu'ils soient OK. capables de s'en sortir par eux-mêmes. Donc, c'est D'accord. littéralement comme. Oui, biologiquement, ils sont adultes, mais dans leur tête, ils sont encore des adolescents, ils n'ont pas encore de structure, donc ils finissent par se retrouver dans la rue. En tout cas, c'est Wow. de là qu'est venu se dire, ben, tant qu'à aider les petits Maliens, on va aider la plus Montréalais où je vis, qui est ma communauté. Si on dit la bonne charité commence par soi-même. Amen. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé ce projet. Wow. Mais c'est sûr que l'émission, on n'a pas assez de temps pour approfondir ton projet, mais il est vraiment intéressant et puis ça pourrait faire l'objet d'une autre émission où justement on pourrait être autour d'une table et parler de ces réalités-là que vivent les jeunes de la DPJ. Et moi, vu que c'est, on s'adresse Zoom Femmes Immigrantes, c'est pour inspirer les femmes immigrantes, on a parlé de passion. Et des fois, les gens ne savent pas, ben, comme toi tu disais, ils savent pas trop comment trouver leur passion, ils savent pas quelle est leur passion. Mais la démarche que tu as eue, c'est quand même une piste pour trouver sa passion. C'est un moyen de trouver sa passion. Tu es allé en stage. Donc, des fois, en faisant des choses, en s'impliquant, ça peut être aussi une façon de découvrir quelle est sa passion. Donc, en tout cas, Effectivement. vraiment, je te remercie d'avoir partagé toute ta démarche t'sais, pour arriver au projet que tu diriges en ce moment. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès dans ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter davantage, tu sais, d'en parler un peu plus pour que, quitte à trouver des partenaires ou sensibiliser davantage la communauté. Mais là, on va passer au Zoom intégration. Qui est la deuxième partie de l'émission et vraiment où est-ce qu'on va parler de ton parcours d'intégration. Et là, Dominique, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu vis au Québec? Quand est-ce que tu es arrivé? À quel moment de l'année? Quelles ont été tes peurs lorsque tu es arrivé au Québec? C'est vrai, je suis arrivée en l'an 2000. Bon, je ris parce que
Je me souviens que juste avant que je vienne, on disait qu'à cause du changement de l'année 1900-2000, on était convaincu que plein de choses allaient arrêter de fonctionner. Et je me souviens qu'en me mettant dans l'avion, parce que je venais, j'étais quand même jeune, j'avais 14 ans. En me mettant dans l'avion, ma mère avait peur. Peut-être l'avion va juste soudainement arrêter de fonctionner, puis ça va tomber. Parce que j'ai pris l'avion le 23 janvier, quand c'était vraiment le premier mois de l'année. En plein hiver, bien sûr. Mais bizarrement, je suis peut-être l'une des rares africaines qui, avant même de venir, j'adorais le froid. Donc, je me souviens que oui. Ma mère avait acheté un gros manteau de fourrure. Elle était convaincue. Elle a trouvé le manteau le plus chaud qui existe sur le marché. Dès que je suis rentrée dans l'avion, j'ai enlevé le manteau. Et en deuxième, elle m'avait mis un gros pull. Donc, je suis arrivée à Montréal, je suis sortie de l'aéroport, je crois que c'est le pire et le pire. Je sais que tout le monde va dire que oh, quand je suis arrivée, il y avait une tempête. Mais quand je suis arrivée, il y avait vraiment une tempête de neige. Mais j'ai respiré et j'étais heureuse. L'air était glacé, mais j'ai adoré ça. Incroyable. J'ai finalement une température qui me convient. En tout cas, mais bon, j'ai vraiment adoré. Mais quelles ont été mes peurs? Honnêtement, peut-être parce que j'avais 14 ans. C'est quand on est jeune, on a peur de rien. On a l'impression peut-être que tout. C'est comme une aventure. Pour moi, c'était une aventure. J'avais déjà cet esprit de découverte, cet esprit de découvrir ce que je ne connais pas. Et je suis vraiment venue dans cet esprit de dire, oh, je vais découvrir quelque chose que je ne connais pas, découvrir une culture que je ne connais pas, découvrir des gens que je ne connais pas. Donc, pour moi, j'étais plus dans l'excitation. J'étais plus dans, wow, qu'est-ce que je vais découvrir? Et en parlant d'intégration, parce que je suis arrivée, j'ai dit, j'avais 14 ans, j'étais inscrite au cégep, mais quand je suis arrivée en janvier, donc la session avait déjà commencé, l'année scolaire avait déjà commencé. Donc je suis comme, je devais rester 6 mois à la maison, et pendant ces 6 mois, tous les jours, en tout cas tous les jours, dès que mon frère m'a acheté ma passe d'autobus, je sortais. J'allais C'est prendre pas le métro. possible. Ah si, j'allais prendre le Wow. métro, je regardais la ligne du métro et je m'arrangeais pour aller au terminus de chaque ligne. Et À après de faire le 14 ans. à 14 ans et de faire le Wow. chemin inverse pour retourner à la maison. Je dis, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert Montréal. Donc, des fois, je m'arrangeais pour descendre. Je n'avais rien d'autre à faire. Donc, je descendais à chaque station, je sortais un peu de la station. Je m'assurais de ne pas aller très loin de la station pour ne pas me perdre. Mais je sortais de la station de métro pour regarder un peu ce qu'il y avait autour, puis je retournais. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, j'ai découvert la vie et j'ai commencé. Et j'ai comme aussi. Ben, ça, comme. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a aussi permis de briser cette image. Tu sais, quand on vient d'Afrique et qu'on arrive à l'Occident, on a cette image que tout est beau, tout est magnifique, il n'y a aucune problématique, il n'y a pas de pauvreté. Mais le fait que je me suis amusée à faire ça m'a permis de découvrir des quartiers qui, honnêtement, ressemblaient à certains quartiers pauvres, même plus pauvres encore d'où je venais au Cameroun. Donc, ça qui commence à me faire réaliser que ben, peut-être ce n'est pas si parfait qu'on pourrait le penser des fois et qu'il y a des problématiques aussi ici. Donc, Exactement. en tout cas, ça a été un peu ça mes 6 premiers mois, puis je suis allée au cégep. Et la chance que j'ai, c'est que justement, je suis arrivée très jeune. Donc, j'ai vraiment pu faire mes études ici. C'est C'est-à-dire vrai. qu'à la fin, quand j'ai fini mon cégep, j'ai fini mon université, j'ai trouvé du travail. Quand j'ai fini, je crois, en décembre, et je crois que j'ai commencé à travailler en mars, avril. Mais c'est parce que c'est ça, j'ai la chance que j'ai, c'est vraiment parce que mes études, ben, c'était ici. C'est Donc, je vrai. n'ai pas connu cette réalité de l'immigration qu'on ne reconnaît pas les études, il faut faire des équivalences. Bon, moi, mes études étaient déjà ici, donc j'ai facilement trouvé du travail à cause de ça. Oh, mais c'est un beau parcours. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir la curiosité, ta curiosité au fait, c'est de sortir, d'aller visiter, d'aller découvrir ton environnement. Donc, même pour les femmes immigrantes qui nous écoutent, même si toi, tu n'as pas eu la barrière des diplômes et tout ça, mais tu nous donnes quand même une piste d'intégration, c'est d'aller à la découverte de son milieu. De quand on Effectivement. arrive, de pas tout de suite foncer sur Enseigner. le travail ou bien aller chercher une formation, mais de prendre ce temps-là d'aller découvrir. Tu sais, tu as découvert Montréal, c'est ça, ça fait
Ça fait partie aussi de l'intégration, ça aide à développer aussi un sentiment d'appartenance quand tu es capable D'appartement, de exactement. dire ben, j'étais dans tel quartier, je peux aller là. Donc, c'est en tout cas, je trouve ça très courageux à 14 ans. Et puis, vraiment bravo. Et puis, donc j'imagine que tu n'as pas eu de difficultés. Oh, quand tu es venu, tu savais déjà dans quelle filière tu voulais poursuivre tes études. J'ai toujours su que je voulais aller dans le domaine des sciences humaines. Maintenant, Wow, à ok. quoi ça correspondait? Non, ça, je le savais depuis le Cameroun. Mais D'accord. à quoi ça correspondait ici comme étude? Honnêtement, j'avais aucune idée. Bon, une D'accord. chance que j'avais mon grand frère, parce que c'est vrai qu'à 14 ans, c'est avec lui que je suis venue vivre. Lui, il le savait. Donc, il m'a inscrit dans la bonne filière au cégep en sciences humaines. À l'université, ça a été un peu plus compliqué. Parce qu'à l'université, moi, je voulais faire psychologie. Ma mère, non, en fait, non, je voulais faire criminologie. Voilà, c'était plus. Non, je voulais faire criminologie. Mais justement, dans ma famille, tout le monde était comme criminologie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai fait un compromis, j'ai dit, OK, je fais psychologie, parce que criminologie, c'est un mélange de psychologie et de droit. Et donc, j'ai dit, je fais un compromis, je fais psychologie, mais là encore, dans ma famille, on était comme, tu sais, la santé mentale en Afrique, maintenant, ça commence à être moins tabou, C'est mais vrai. c'était comme un tabou. En tout cas, je pense que même maintenant, c'est parce qu'il y a des gens qui sensibilisent la population à ça, que c'est moins tabou, mais c'est tabou. On ne savait pas c'était quoi la santé mentale. Donc, là encore, ma mère m'a dit psychologie, je sais pas ce que ça veut dire. J'aime mieux que tu t'inscrives en droit. Donc, ça même fait que j'ai pris une année sabbatique réellement pour dire, OK, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux faire vraiment, parce que je ne veux pas m'inscrire dans un programme juste pour faire plaisir à ma famille et être malheureuse après. Comme j'ai dit, c'est important de trouver sa passion. Et c'est Mais ça. pendant ce temps, justement, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai Wow. fait du bénévolat à l'UNICEF, j'ai fait du bénévolat au YMCA. OK. Donc, j'essayais justement de ne pas rester. Une chose aussi, de ne pas rester à la maison. Wow. C'est vraiment sorti. Essayer justement de faire des choses qui ont un lien avec ce que je voulais faire pour OK. confirmer est-ce que c'est vraiment ça ma passion, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Wow. Mais là, tu donnes encore une autre. Un autre conseil pour réussir son intégration, on n'en parlera jamais assez, faire du bénévolat. Et puis, c'est ça, on n'en parlera jamais assez. Donc, c'est vraiment une belle façon de s'intégrer. Et pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport à de la famille, les études, mais je faisais le calcul dans ma tête, on parle quand même de il y a 21 ans là. Donc, tu t'es quand même, tu sais, à 14 ans, il y a 21 ans, de dire à tes parents, je veux faire criminologie. En tout cas, il faut le faire. Ah oui. Mais, waouh! En tout cas, c'est très inspirant. Je trouve que tu as vraiment, tu as été très réactive, très. En tout cas, je suis comme épatée là par ce que j'entends. Mais est-ce que durant ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter ta plus mauvaise expérience dans le parcours d'intégration? Intégration. Honnêtement, je ne saurais vraiment pas. Il faut dire, je sais pas, j'ai peut-être l'impression d'avoir été un peu. Parce que le premier travail que j'ai eu, c'était dans un organisme, justement, la mission était de défendre les femmes immigrantes. Donc, c'était dans un organisme où je ne pouvais pas vivre de discrimination parce que bon, on était déjà en majorité toutes les femmes immigrantes. Mais en même temps, j'étais dans un contexte où je réalisais peut-être je vais pas utiliser, bon, je veux dire mes privilèges, la chance que moi j'ai eue. Donc, peu importe en fait les difficultés, c'était toujours moindre que les difficultés des femmes immigrantes auprès de qui j'intervenais. Donc, je n'ai jamais vraiment perçu que moi, personnellement, j'ai eu comme un obstacle. Bon, peut-être à part les insultes des gens des fois dans la rue, mais stupide. Ça, je ne sais même pas si ça vaut la peine de les mentionner. Que tu as passé quelqu'un qui te dit sale nègre. Mais tu comprends que. Oh oui. Ah, mais tu as Ça vécu ce genre de choses-là? n'arrivait pas souvent, mais c'est arrivé. Wow. Mais est-ce que réellement ça me touchait ou ça me dérangeait? Non, parce que je me dis, si vraiment quelqu'un prend la peine d'être insulté dans la rue, c'est que la personne n'est vraiment pas bien elle-même. Donc, c'est des choses que ça rentrait vraiment par une oreille, ça sortait par une autre.
Wow, À ok. l'école, honnêtement, je ne sais pas. Si des fois à l'école, tu sais, il y a des gens qui vont se plaindre, qu'ils ont l'impression, par exemple, qu'ils sont peut-être un peu discriminés dans les notes, qu'ils vont peut-être Oui. faire le même travail et puis eux, on va leur donner une mauvaise note par rapport à d'autres. Ok. Peut-être ça arrive. C'est vrai que je me souviens, j'avais fait un travail comme professeur et puis un de mes collègues qui m'avait dit que non, 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 la note que tu as donnée n'est pas normale, Ok. tu devrais te plaindre. Mais encore là, je ne sais pas si c'est parce que j'étais jeune, parce que c'est vrai que j'ai quand même, je suis à l'université, j'étais quand même jeune, quand j'avais 17 ans. Ben oui. Pour moi, j'avais l'impression que tout me glissait dessus. Ok. J'ai comme fait. C'est D'accord. tant que je ne coule pas une matière, tant que je peux avancer, si je devais avoir A, elle m'a donné D, non, D c'est l'échec, elle m'a donné C que je passe. C'est, pour moi, je me Pour disais, toi, c'est je sais correct. pas, j'avais, voilà, que ça ne me révoltait pas. D'accord, ok. Donc, Wow. je ne serais pas vraiment identifiée au moment où je me suis dit que, oh non, à cause, j'ai commencé à être révoltée quand j'ai commencé à travailler dans l'organisme. C'est là où j'ai D'accord. commencé à réaliser que moi, je réalise que j'ai été comme béni. C'est vraiment le mot que j'utiliserais, mais que ce n'est pas la réalité de tout le monde. C'est ça. Wow. Ah, mais donc, de ce que j'entends, toi, tu as été très vite consciente de tes acquis et de tes avantages et même de tes privilèges, parce que tu es arrivée Exactement. plus jeune, tu as étudié ici, donc tu as été très tôt consciente de ça, si bien que tu n'as pas accordé d'importance aux autres Voilà. difficultés. Ok. Exactement. Et C'est on vraiment peut noter aussi une certaine force de caractère, parce que de dire que bon, la personne qui m'insulte, c'est parce qu'elle a un problème elle-même. C'est quand ça. même que tu avais une certaine confiance en toi, force de caractère qui faisait que tu te laissais pas atteindre par ce genre de propos-là. Ok. Définitivement. Waouh. Mais je sais qu'on court derrière le temps, donc là, je vais filer avec les questions. C'est quoi ton plus beau souvenir dans ton parcours d'intégration? Quand tu revois ces années d'intégration, c'est quoi ton plus beau souvenir? Je dirais qu'honnêtement, c'est peut-être mon. Dernièrement, je réalisais un discours que j'avais écrit pour l'organisme pour lequel je travaillais. C'est peut-être mon temps passé avec une cliente en particulier. En tout cas, D'accord. bon, je ne vais pas nommer son nom parce qu'on ne sait jamais, mais Ben oui, en bien fait, sûr. Non, non, non. c'est qui m'a marqué avec elle, c'est parce que quand on la regardait, elle Oui. représentait peut-être tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'on peut penser justement d'un certain type de femme immigrante. D'accord. Mais elle contredisait complètement. Wow. C'était une femme immigrante qui était complètement voilée. Tu sais, elle n'avait pas juste le voile sur les cheveux, elle avait le grillage devant la face. Et justement, l'image qu'on a de ces femmes en général, c'est que ce sont des femmes maties, ce sont des Oui. femmes soumises, ce sont des femmes qui n'ont pas de caractère. Oh, mais cette femme-là, elle a complètement et totalement changé mon point de vue. Wow. J'avais pitié de son mari. Des fois, je l'entendais parler, puis je me disais, pauvre homme qui est marié à cette femme. C'est pas possible. Ah non, non, littéralement. Tu sais, le jour où Wow. j'ai vu son mari, j'ai eu le goût de le prendre à mes bras et de dire, ah, ça ne doit pas être facile. Ah. C'était une femme qui portait les deux culottes. Elle Wow. savait ce qu'elle voulait dire. En fait, et justement, elle me faisait réaliser que, tu sais, dans la vie, il y a des choix qu'on peut faire et des Oui. choix qui peut-être ne sont pas populaires, des choix que Oui. les gens ne vont pas comprendre. Mais si c'est nos choix, ben, et qu'on les assume, tant Oui. pis pour les autres. Ben, c'est peut-être elle qui m'a. Je sais pas, qui a comme changé un peu ma vision dans mon travail, en fait, dans la façon dont j'interviens. C'est D'accord. parce que quand on travaille beaucoup dans les organismes communautaires, des fois, on a une idée préconçue de ce dont les gens ont besoin. Voilà, en fait, c'est ça. C'est Ou de ce ça. qui. Surtout quand on intervient auprès de la clientèle immigrante. Parce que la vérité est que les programmes des immigrants ne sont pas conçus par des immigrants. C'est conçu Exactement. Bon par point. les Très bon gens qui point. pensent ce qui serait bon pour les immigrants. Et justement, avec elle, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'idées justement préconçues, d'idées. Elle a changé ma façon d'intervenir. J'ai justement D'accord. appris à pas. En tout cas, elle a changé. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Souvenir. Waouh. Oh, c'est bon. Mais là, donc, on court derrière le temps. C'est quoi ton plat québécois préféré? La poutine. Ah non, La poutine. j'en ai beaucoup. Mais je dirais pas la Waouh. poutine. C'est soit Ah. la poutine ou le pâté chinois ou la tourtière. La tourtière. La La tourtière. tourtière. Ok.
Wow. Et comme tu es quelqu'un qui va souvent à la découverte, donc j'imagine que tu as pu goûter tous les types de poutines qui existent, toutes les Exactement. types de poutines qui existent. Avec les couleurs, avec la viande fumée, la poutine Wow. originale. Oh non, rien. Ça, Wow. Mais c'est. c'est sûr que Dominique, c'est sûr qu'on va se revoir pour une autre émission pour parler en profondeur de ton projet en lien avec la DPJ, les jeunes de la DPJ. On va passer à la troisième partie qui est le Zoom motivation. Et justement, cette partie-là, c'est pour que tu t'adresses à une femme immigrante. Je dirais que si j'ai à motiver une femme immigrante, ça serait justement de lui demander de découvrir par elle-même c'est quoi son identité, de ne pas se laisser définir par un programme gouvernemental, par une OK. problématique. C'est de ne pas, parce que généralement, dans le milieu communautaire duquel je viens, femme Oui. immigrante, c'est généralement une problématique. OK. Et ce n'est pas vrai. Je vais dire, ce n'est pas parce que tu es une femme immigrante que nécessairement tu as un problème. Je dirais que c'est sûr que quand on vient d'arriver dans un pays, on a besoin d'un accompagnement, mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème ou qu'on ait un problème ou qu'on OK. a absolument besoin que, je ne sais pas, d'une intervention particulière. OK. C'est vraiment qu'on a besoin, oui, de ressources, d'informations pour découvrir le milieu dans lequel on est en train de s'installer. Donc, je dirais, si tu es une femme immigrante, de trouver quelle est sa passion, qu'est-ce qui l'anime, et justement d'aller chercher les ressources alignées à cette passion, mais qu'elle ne laisse personne d'autre la définir finalement, et de ne pas rester passive. Parce que ça, c'est l'autre truc. Je dirais que c'est justement parce que beaucoup de femmes, quand elles arrivent, restent passives ou Oui. restent en arrière de leur mari, ben, qu'on a l'impression ça donne l'impression qu'elles ont besoin qu'on intervienne auprès d'elles. Donc, de ne pas rester passif, de trouver. Je dis, je connais par exemple une, que elle, sa passion, c'était d'être mère au foyer et de s'occuper de ses enfants. Wow. Mais elle n'était pas passive dans ça, dans le sens qu'elle est allée chercher les ressources pour bien faire l'aide aux devoirs à la maison. Elle Wow. cherchait toutes les ressources pour s'accomplir et s'épanouir dans le choix, le choix, je précise, le choix qu'elle, elle avait fait. Elle n'était pas malheureuse parce qu'elle était une femme à la maison qui s'occupait de ses enfants. Elle n'était pas une femme martyrisée. C'était une femme qui avait fait un choix et qui ne restait OK. pas passive par rapport à ça. Donc, je dirais que c'est Wow. beaucoup plus ça qui serait ma motivation. Ne restez pas passive. Découvrez qui vous êtes. Découvrez c'est quoi votre potentiel, ces petites choses qui vous rendent heureuse. Et cherchez les ressources et les outils pour vous aider à être meilleure dans ce qui vous rend heureuse. Wow, en tout cas, c'est tellement beau ce que tu dis et tellement vrai. Et c'est en train de me faire réfléchir que je pense qu'on va faire une autre émission spéciale avec les points que tu viens d'énumérer. Là, on court derrière le temps, c'est que tu dois partir. Mais on va refaire une émission pour justement parler de ça parce que c'est vrai ce que tu dis. Donc, alors, on va passer à la dernière partie de l'émission qui est le Zoom rayonnement. Et là, j'ai une question à te poser. Donc, Dominique, qu'est-ce que tu es fière d'apporter au Québec et au Canada? Et ensuite, tu termineras avec tes actualités du moment. Qu'est-ce que je suis fière d'apporter? Ben, je dirais que je suis contente de ne pas être passive. Je suis contente que. Parce que quand on est dans le quotidien, quotidiennement, on planifie des projets, quotidiennement, on fait des choses. Des fois, parce que ce sont des petites choses, on ne voit pas nécessairement l'impact qu'on a. Mais si des fois, quand je m'assois et que j'analyse un peu tout mon parcours, j'analyse, je suis contente d'apporter ma petite pierre qui est de faire découvrir. Si je ne fais que découvrir à une personne son potentiel, je ne fais que découvrir à une personne, que ce soit une femme immigrante, que ce soit un jeune de la rue, je donne cet espoir à une personne, pour moi, je suis heureuse. Wow. C'est pour moi, je suis vraiment comme, écoutez, j'accomplis ma mission au OK. quotidien. D'accord. Wow. OK. Et puis, ben, on va terminer sur tes actualités du moment. C'est quoi que tu fais en ce moment par rapport à ta passion, la lecture, l'écriture, ta passion, tes projets. Est-ce que tu veux nous partager une actualité? En tout cas, c'est toi qui as le mot de la fin. Le mot de la fin. OK. Ben, je dirais que, particulièrement pour mon projet justement de la DPG, Oui.
c'est plus un défi du moment parce que ce sont quand même des institutions qui sont Oui. très réglementées, très structurées, donc c'est difficile d'avoir un accès. Donc, ma joie du moment, c'est de dire qu'à la limite, si parce que je voulais vraiment recueillir les jeunes avant qu'ils ne sortent de la DPJ, avant justement qu'ils ne se retrouvent dans la rue. Mais je suis en train de travailler dessus. Et puis, ma joie du moment, c'est quand au moins je peux les rencontrer dans la rue, c'est au moins se connecter avec eux et puis passer du temps avec eux. Et puis, ouais, c'est ça mon actualité, c'est ça mon projet du moment. Trouver une façon de les recueillir avant qu'ils ne se retrouvent dans la rue, mais bon. Et puis moi, je terminerai par dire, ben, si vous nous écoutez, les personnes qui nous écoutent, si vous avez besoin d'un travail de rédaction, d'écriture, contactez Dominique parce qu'elle est excellente en rédaction. Elle a un blog, on pourra laisser les liens et tout ça. Donc, Dominique, merci beaucoup. Je sais qu'on a dépassé le temps qu'on s'était fixé. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Et puis, je retiens qu'on a deux autres émissions à faire ensemble pour approfondir les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite beaucoup je te souhaite vraiment d'avancer dans ce que tu, dans tes projets. Merci. Ça fait plaisir.